j'aurais quand même besoin de de Sean pour tirer, hein, si j'ai plus de technique à utiliser, ça sert à rien. Donc, bon, pour l'instant, on a que des nouveaux joueurs qu'on découvre. Ah mince, on va tirer le plus à la droite possible. Ah ça va. Bien joué Raymond. Tout ce qu'il faut c'est que j'utilise pas de technique spéciale parce que j'en aurais vraiment besoin. Alors peut-être que dans le 2 ils ont modifié, peut-être que maintenant on peut en faisant un match directement derrière revoir tous nos points, mais ça je peux pas dire. Bah là d'un coup j'ai que ça, d'un coup j'ai que des défis. Encore des nouveaux de partout, hein, c'est bien. C'est vrai qu'on a quand même dans le jeu un choix énorme de joueurs, il y en a 1500. Dans le premier il y en avait plus de 1000. C'est vraiment assez impressionnant quand même d'avoir une base de données comme ça. En fait le plus impressionnant c'est pas forcément qu'il y ait beaucoup de joueurs, parce que à la limite ça va remettre des noms, on va dire des petits dessins, c'est ça va, mais les modéliser chacun, ça par contre c'est autre chose. Avoir une modélisation de tous les personnages. Ah non. Ah non. Un point pour Sean. Ah non, c'est abusé là. Mais en fait dans le jeu le souci c'est que si vous vous amusez à faire tout le temps des défis, à chaque fois vous êtes pas loin de monter de niveau, donc vous les faites, après c'est... Mais c'est l'attaquant un peu de l'équipe, donc on va s'entraîner une dernière fois, je suis désolé. En espérant pas tomber sur serveur, évidemment, parce que j'ai pas envie d'attaquer 10 fois. Ah bah, on tombe pas sur lui, on a une fille qui vient de s'ajouter. Voilà. Donc là, il y aura... Ah mais non, c'est conserver la balle, oh non. Non. Donc là, c'est la technique pour ça. Si vous arrivez à en avoir deux, faites des passes comme ça. Logiquement, on devrait pas trop venir vous embêter. Et quand vous vous embêtez un peu, vous l'éloignez la balle. Vous faites des grands tirs. Et c'est le défi pour moi le plus compliqué, mais c'est celui qui donne le plus de points d'expérience. Vous allez comprendre, hein. Enfin, si j'arrive à faire le défi, parce que des fois, au dernier moment, vous pouvez vous faire prendre la balle. Voilà, un petit joli pour terminer. Voilà, alors combien de points d'expérience on va gagner cette fois? Alors voilà, vous avez l'exemple type. Voilà, Sean est monté de 3 niveaux. Donc là, ça devait être juste des personnages assez forts. Mais en plus, 25 points de plus de beau jeu. Donc, là, j'ai plus besoin de m'entraîner, je peux y aller. Hein. Allez, c'est parti, on va se jouer contre le cloître. Ouais. Voilà, c'est bon, allez, on y va. Premier match de la vidéo. Hop. Alors, ils sont censés être une des meilleures équipes du Japon. Mais ils se sont pas allés au Football Frontière parce qu'eux ils veulent pas faire de compétition en gros. Ouais, c'est parti. Alors, à la formation, est-ce qu'elle a besoin d'être changée ou pas? Pour l'instant, non, il n'y a rien à changer. Alors le gardien, je sais plus quel élément il est. On peut voir que je suis beaucoup en air, hein. Il y a 4 joueurs d'air sur 11, donc c'est quasiment la moitié. C'est un tiers, on va dire. Et ces joueurs les plus classes pour moi, ce sont des joueurs en R. Mais bon, après, en R, ça veut dire... ils ont une forme de R ou que leur prénom commence par R. Donc voilà, on va rester comme ça, on va voir ce qui se passe. Hein. Et le cloître, donc vous pouvez voir qu'ils ont vraiment des têtes de moine. Alors, le personnage le plus classe pour moi c'est le milieu qui s'appelle le Wando. Puis voilà, mais je sais pas ce qu'il vaut par contre niveau des stats. Bah, ils ont quand même des bonnes stats. Globalement, les équipes dans le jeu ont quand même des bonnes stats, les joueurs, parce que ce sont souvent des équipes qui sont censées être fortes. Donc c'est totalement logique, on va dire. Donc lui, la technique gardien cracheur de feu, c'est un type arbre. Donc en gros, même si j'ai pas Axel, je peux utiliser tous mes attaquants pour attaquer, y a pas de souci. Donc Max Fortune, voilà, ils ont des belles têtes de vainqueur, surtout lui. Ils sont niveau 12 à peu près, 14, 12. Donc
Pour le début, franchement, si vous avez des soucis pour gagner, c'est qu'il y a un souci, justement. Et pour voir que eux, ils sont pas mauvais non plus. Mais lui, il est bien plus fort en attaque. Lui ferait un très bon milieu, par contre. Au niveau de la défense et tout, il est assez bon. Mais bon, voilà. Et là, on a le fameux Scotty en défense qui a des stats, on va dire, très bonnes aussi, mais assez moyennes. Et il jouera pas, de toute façon. Hein, il est remplaçant, il est dans le jeu. Eux, ils font pas de remplacement, comme moi un peu aussi. Et là, information de double gardien, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est le match. C'est le match du siècle. Ou pas. Hop, allez. Ah, j'ai appuyé. J'ai appuyé. Non, franchement, ça m'énerve. Il me touche quasiment pas et... Ah, c'est lui qui avait la balle. Et il y a faute. Non, mais là, il faut arrêter de boire le jeu. Hein. Marquons ton camp, au moins. Mais va là, toi. Ah, purée. Le jeu, des fois, il manque un peu de jugeote. Normalement, j'aurais dû marquer. Ça, c'est la classe, une de... Donc, maintenant, il va falloir que je défende ma peau. Mais bon, là, ils vont faire toutes les techniques possibles et inimaginables. Voilà, voilà ce que ça fait de faire ça au réveil. Allez, tiens. Tiens, il va y avoir faute derrière, mais au moins ça les calmera. Y'a pas faute en plus. Mais j'ai appuyé. Non, mais. Je sais pas ce qu'elle a ma souris, je crois qu'il y a un problème avec la souris parce que j'appuie pourtant. J'appuie. Bon, ok, je voyais pas grand monde non plus, mais. Voilà, passe en avant. Et voilà, oh, ça y est. Choc de la vouivre. On va pas utiliser choc de la vouivre parce que bon, hein. Non, s'il arrête, c'est pas grave, mais je pense pas qu'il arrêtera. Le choc du dragon niveau 2. Allez, normalement c'est un premier but parce que même s'il fait son cracheur de feu, ça devrait passer. Quoique, si c'est du feu. Ah, il peut me contrer ma technique, l'air de rien. Non, ça va. Mais c'est vrai que comme technique, au final, cracher du feu sur une balle. À part cramer la balle, c'est pas efficace hein, au niveau du souffle quoi. Essayez d'arrêter un coup de pied avec du souffle. Vous allez voir si vous allez pas vous prendre de ballon dans la gueule. Allez, c'est parti, on va. Le match est lancé maintenant. Raté. Allez, on envoie en arrière, on part de l'arrière. Ah non, il me passe devant au dernier moment. Ah mais je joue mal, c'est horrible. Je joue super mal, c'est abusé quoi. Ils sont super faciles à battre pourtant et je n'arrive pas. Ah mais je suis dessus. Toi tu vas revenir là. Tiens, fin de la bombe. Elle a rarement raté celle-là chez moi. J'adore la tête, il y a une tête de connard quand même, je sais pas. Ah mais non. Pardon, excuse-moi, je viens de souffler dans le micro. J'en ai marre, je joue mais comme une merde. Je me reconnais pas là dans le jeu. Je me reconnais pas, je suis désolé mais je me reconnais pas du tout. Oh là là, allez, défendez mieux que ça les gars. Y'a pas besoin que je vous indique le chemin quand même. Ah mais non, je joue super mal. Ah, ils jouent en frénésie, ça y est. Ils se sont mis au frénésie. Donc lui, j'ai pas de technique particulière, donc j'ai pas besoin d'utiliser la frénésie. Mais je joue, ouais, là, je joue vraiment, vraiment super mal. C'est juste abusé, quoi. En même temps, ils ont une défense. Je vais essayer de perdre du temps. En faisant le tacle de la mort. Allez, hop, c'est parti. S'il y a pas faute, tant mieux pour moi. S'il y a faute, bah tant pis. Voilà, il y a faute et normalement, vu que ce que je vais faire, hop, genre, laissez-les, oui, laissez-les, allez-y, laissez-les tranquillement, là, devant, continuez. Ah oui, merde, on va le mettre juste là. Voilà, genre, j'ai pas le droit, ouais, bah ok, on va faire la même magie.
Voilà, je me prends un tir. Je fais la même magie pour rien. Il pourrait pas au moins utiliser une technique d'attaque. Franchement. À être obligé d'utiliser contre eux, non. Bon, mais j'ai presque envie de refaire la vidéo tellement ça m'énerve de jouer aussi mal, quoi. Ça... Je les ai gagnés 5 ou 6-0 dans ma partie. Là, j'arrive même pas à marquer un but. Ok, je passe vite parce que bon, on va pas rester 10 ans non plus. Allez, on va essayer de résister. Hein. J'aurais dû mettre une technique de défense à la blonde là pour éviter de faire trop de fautes parce que tac de la mort ça va être des fautes deux fois sur 3. Y'a faute là! Il m'empoisonne le mec en plein milieu! Y'a pas faute! Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là, franchement? Ah, enfin il rate son 1-2 solitaire! Putain! Moi je sais faire des 1-2, mais pas solitaire par contre. Voilà. Cette fois ça va. Allez. Tiens. Et tiens dans ta tête. Voilà, ça va un peu mieux. Marquer un deuxième but, ça me fait du bien. Quel but ! Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais changer de d'attaquant. Hop. Allez, Sean Frost, vas-y, montre-leur qui tu es. Si j'arrive à attaquer, évidemment. Et à défendre, au passage. Voilà, fin de la frénésie. Bon, après, hein, je m'en suis pas tellement servi que ça, de la frénésie. Là, je vais mettre pause. Parce que de toute façon, je vais me faire attaquer de tous les côtés. Allez, hop. Oh bien sûr! Mais bien sûr! Vas-y, lâche le ballon, tranquille, donne-leur aussi. Mais... Oh, ça fait deux fois qu'il me lâche la balle! Qu'est-ce qu'il a, Kevin, là? Mais comment vous pouvez jouer dans des bonnes conditions quand un joueur n'arrive pas juste à faire ça, quoi? C'est... Juste à garder une balle qu'il vient d'avoir, hein. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'y arrive pas, hein. Oh là là! Heureusement que le match contre Epsilon, il va pas avoir besoin d'être super fort, parce que sinon je vous dis la galère que ça serait. Mais là, cette vidéo est un carnage total. Mais totalement. Voilà, subtilisation, ça devrait marcher. Ils ont une très bonne défense au niveau de la formation, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, et vous avez vu ça? Ah non, d'accord, oui, c'est vrai, je suis bête. J'ai dit que je vais pouvoir attaquer avec tous les personnages, mais c'est faux. C'est vrai que j'ai confondu l'air et la nature. Allez, il faut améliorer le blizzard éternel quand même, donc on va le faire le plus possible. Puis de toute façon, il peut plus rien faire lui, donc autant le bourrer de grosses techniques. Ah, 3-0, ça fait du bien de voir les buts hein, quand même. Mais je joue vraiment mal là, hein. Vous pouvez le dire hein, que je suis nul, mais là c'est un carnage total. Mais bon, il y a une différence entre jouer avec une souris et un stylet. Donc je vous invite à essayer, c'est franchement pas facile. Ah mais là, il te passe devant le truc. Oh. Franchement là au niveau oh, il passe à côté. Non, ah non, il m'a fait le coup de passer à côté. Non. Ah, il tire normalement, il veut pas faire. Ils ont des points techniques pour ça. Il tire à côté en plus. Il vient de tirer à côté. Donc tout ce que j'ai fait, c'est pour rien, deux fois. Mais bon, c'est terminé.
ça, c'est le match, ça vient du match. Je suis vraiment trop déçu de moi là. Je sais pas, j'arrivais pas. Qu'à la limite, eux, ils aient leur technique de défense et d'attaque, je m'en fous. Mais les pas, j'arrivais même pas à faire de passe, ni à les contrer. On a gagné super, ouais, mais vu le résultat. Franchement, je suis déçu de moi. Pour moi, c'est comme une défaite. Hein. Personnellement, c'est vraiment. Waouh. C'est une humiliation pour moi, plutôt, hein, pas pour vous. Hein. Quoique, me voir jouer aussi mal et perdre contre moi, oui, c'est peu une humiliation, ils ont raison. N'empêche, le match, il donne moins. Les mecs du match, ils donnent moins que le défi de conservation de balles. C'est le monde à l'envers. Donc j'ai eu un vieux badge, c'est bien, crampon de méditation, maillot cloître qui ne servira à rien. Et donc Bobby et Erin apprennent une technique. Donc Erin apprend la tornade noire qui sera pas mal utile quand même parce qu'elle est pas mal puissante. Et volcan circulaire pour Bobby qui est une technique de défense qui est très très efficace. Très très efficace. Donc tout bénef là, c'est tout bénef pour tout le monde. Oh, pardon.
Voilà, transmission de technique. J'avais fait dans le 1, j'avais appris foudre à plein de monde. Pour pouvoir battre facilement Zeus. Donc, par l'intérieur du cas sacré, mais je pense pas en avoir besoin pour l'instant. Parce que le tir glacial, je vais pas non plus le mettre à 10 000 personnes. Quoique, peut-être à. Voir que ça dépend le prix que ça coûte. Alors, au niveau de la technique qu'il nous a donné, je l'ai, moi dans ma partie, je ne l'ai pas du tout appris à quelqu'un. Mais pour voir qu'elle est quand même relativement puissante, 51 points. Donner un coup de poing de la tête, impossible, vérifiez par vous-même. Alors, moi je vais pas la prendre du tout à Marc, je vois pas l'intérêt, même dans ma partie, je l'ai jamais mis en attaque, je vois pas pourquoi je le mettrais en attaque maintenant. Surtout vu ses stats, quoi, merci, les stats de Marc, quoi. Qu'est-ce que je fais moi? Alors, j'ai pas vu, c'était un truc de terre, donc je vais la prendre à Eric, de toute façon, elle se transmettra si besoin. Pourquoi Eric? Parce qu'il a beaucoup de points techniques et comme elle en prend beaucoup, mieux vaut, hein. Voilà, je me comprends. Donc je vais lui apprendre la tête explosive si c'est possible. Alors je sais pas, j'ai jamais fait, je sais pas, et comme c'est pas un gardien, je sais pas du tout. On va pouvoir. Parce que balle de terre, elle va servir à rien au final. Yes! Donc on pourra l'essayer pour s'amuser dans un défi ou un truc comme ça pour que je découvre avec vous parce que je l'ai vraiment jamais utilisé. Voilà. Alors ils me disent d'aller visiter un peu le collège, mais il n'y a pas besoin puisqu'en fait vous pouvez voir qu'il y a des points en dessous. Donc vous pouvez voir Célia et là on voit Scotty. Donc on va aller voir ce qui se passe. J'ai récupéré tous mes points de technique et tous mes PE, donc ça c'est très bien aussi. Et juste avant un petit défi, évidemment. Encore des nouveaux, hein, très bien. Donc je vais vous montrer, si je peux, il y a la tête explosive, je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Non, c'est pas lui, c'est lui, voilà. Allez, on va faire la tête explosive. C'est parti. C'était très moche. C'était très très moche. Bon, est-ce qu'après elle est super efficace ou pas? N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je ne sais pas. Bon, pas seulement de niveau, évidemment. Donc, inventaire, objet. Alors, au cas où, hein, je préfère faire ça. Quelques poétés pétés. Voilà. Voilà, un pété, bon c'est pas grave. Ce sera toujours un de plus. Allez, petite scène. La musique qui fait peur, ça me fait délirer. Thank you.
Bon, j'ai pas fait gaffe s'il y avait un coffre, je me rappelle plus s'il y avait un coffre ou pas ici, non y'a rien. Comment ça, je fais genre je cherche pour avoir un défi, c'est pas vrai. Allez hop 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 hop. Ok, donc oui je voulais, avant cela, une petite technique que je voulais apprendre à la bourrine là. Elle est où la bourrine? Elle est là. Je vais lui apprendre quelque chose parce que bon, elle est un peu trop, hein, trop dangereuse. Lame sismique, allez, c'est une bourrine. Lame sismique, elle est très bien. Voilà, ça me fera moins mal la prochaine fois. En plus, elle est assez efficace comme technique, donc on va en profiter. Allez, petite scène encore. Il m'énerve là, les petits frères, les grands frères.